Parfait avec l'accordéon d'un génie du Cameroun des musiques. Bonjour à tous, merci du fond du cœur de partager ces airs musicaux d'Arcangelo Junior qui signe là un titre majeur sur la playlist des chansons consacrées et dédiées aux lions indomptables. Elle figure sur la playlist des chansons patriotiques depuis 1984 et elle est restée indémodée des années après, des décennies après. Rencontre sublimée avec les chœurs d'un archange ici à l'esplanade du stade Omnisport à Madoua Idjo où Allez les lions a souvent été reprise en chœur. Une chanson qui nous rassemble parce qu'on aime rester ensemble. Merci pour ce moment. Arcangelo, bonjour. Bonjour. Une chanson comme celle-là, on l'a dit, elle nous rassemble depuis, on la chante ensemble, en chœur. C'est un chœur de lion. Oui, c'est un chœur de lion. Et nous avons souhaité que ce chœur soit vraiment un chœur total de tous les Camerounais, que tous les Camerounais le reprennent en chœur, étant aussi d'un même chœur, pour que nos exploits, les exploits de nos lions puissent être rehaussés à travers la musique. Et que nos lions aient même ce courage, parce que quand on allait à la guerre autrefois, il y avait de la musique qui donnait du courage à ceux qui guerroyaient. Quand vous, avant chaque match, quand cette chanson résonne sur les antennes du poste national, dans les stades, vous êtes à la maison, vous regardez, vous dites, vous avez fait quelque chose. Satisfaction à quel point? Oui, c'est juste ma modeste contribution pour l'éclat de notre pays. Parce que nous sommes patriotes dans notre famille, de père en fils. Et nous aimons ce pays. Et lorsque les Camerounais le reprennent en cœur, vraiment, ça me fait un grand plaisir. Racontez-nous un peu l'histoire de cette chanson. Allez les lions que tout le monde connaît aujourd'hui, que tout le monde fredonne à cœur joie. On a tous le cœur vert, rouge et jaune quand on la chante. Racontez-nous comment elle est née. Cette chanson est née justement en 1984, lorsque les Lions Indomptables remportent leur première Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on était à la maison et à l'époque, la chanson qui faisait fureur, c'était « Va de l'avant, Paul Biya », que mon père avait écrite un an plus tôt. Alors je lui ai suggéré qu'on écrive une chanson pour encourager les lions indomptables chaque fois qu'ils auront à prester, chaque fois qu'ils auront une compétition. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il me dit, voilà, on va écrire une chanson, mais c'est toi qui vas faire les paroles et on va l'intituler « Salut les lions ». J'ai discuté avec lui, je lui ai dit non, ce n'est pas juste pour saluer l'exploit qu'ils viennent de réussir en Côte d'Ivoire, mais pour que chaque fois que les lions vont jouer, que ce soit comme leur hymne, un hymne d'encouragement qui les transporte et qui les transforme pour qu'ils fassent de bonnes prestations. Alors, il a écrit cette musique et moi je l'ai gardée, je l'ai donc... J'ai écrit les paroles. Nous avons encore discuté sur les paroles et il m'a confié l'harmonisation de ce morceau. Parce que lorsqu'on écrit, nous écrivons en musique, vous allez voir la partition. Là, on écrit la musique comme ceci. Et puis, on ajoute les paroles. Et quand on a fait le texte des paroles, on s'assoit et on discute. Est-ce que ces paroles sont bonnes? Qu'est-ce qu'il y a enlevé? Qu'est-ce qu'il y a ajouté? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans ces paroles? Et la chanson a été finalement arrêtée. Mais nous ne l'avons pas enregistrée en 84. Et ce qui se passe, c'est que en 89, mon père est décédé.
Et en 90, il y avait la Coupe du Monde en Italie. En Italie, avec l'espoir des Lions. Alors, tout encore meurtri par le décès de papa, je décide de faire enregistrer cette chanson. Je la fais jouer par des amis. On la chante avec ma chorale de Djongolo, la chorale Angels Voices. Et les amis trouvent que c'est une belle chanson. On cherche donc à l'enregistrer. On a trouvé un petit studio là vers Nkondongo. On a fait un enregistrement sur une cassette audio. Je l'ai fait écouter à Jean-Philippe Esselebo. À l'époque, il était à Radio Centre. Oui. Et il l'a fait jouer à Radio Centre, à un Cameroun magazine comme ça. Bon, maintenant, au quartier, les gens ont entendu ce morceau et beaucoup m'ont cherché. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que ce morceau, il faut le mettre sur disque, il faut le jouer, on veut l'écouter. Mais je n'avais pas de moyens pour le faire enregistrer. Alors, je suis allé à la CRTV Télé et je cherchais un secours providentiel. On m'a indiqué un monsieur là, j'ai déjà oublié son nom. Mais pendant que je le cherchais, je suis passé devant le bureau d'un certain Jean-Jacques. Il m'a appelé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « Non, j'ai un problème là. Je voudrais enregistrer la chanson de Lyon. » Je la lui ai fait écouter. Il dit « Mais ça, c'est formidable !» Il me fait donc un mot que je devais remettre à M. Jean-Pierre Sa. Le producteur de la TV. Voilà. M. Jean-Pierre Sa, il m'a reçu. C'était aussi un grand ami à mon père. Donc, j'ai reçu, il m'a reçu et il m'a donné un mot pour aller au poste national, au multipiste. Au studio multipiste. Oui, au studio multipiste. Monsieur Efila, qui s'occupait du multipiste à l'époque, m'a donné un rendez-vous. Et nous l'avons enregistré. Le jour suivant, on a mixé. Et pendant qu'on mixait, Jean-Antoine Fouamougou, paix à son âme, un grand ami de mon père également, est passé et il a entendu. Et il devait se rendre en Italie le lendemain pour retrouver l'équipe des journalistes qui étaient là-bas, André Nguimvoum, Abel Mbengue et les autres. Et les Lions qui y étaient déjà. Il a donc pris une copie de ce morceau et le lendemain, le 1er juin, très tôt le matin, dans l'émission Salut l'Italie, qui a été organisée à l'occasion de cette Coupe du Monde, on a fait passer cette chanson à partir d'Italie. Elle joue donc sur le poste national. Entre-temps, j'avais remis une copie à la station provinciale et d'autres copies que les journalistes m'ont demandé, particulièrement Abedne Gomesan. Il en a fait presque sa propriété. Vous avez du soutien, vous avez à la porte de soleil.
cette chanson a animé la campagne de capitalisme. Dieu merci parce que j'espère que c'est une chanson qui a porté bonheur à notre équipe nationale pour qu'elle soit la première équipe africaine qui arrive au quart de finale de la Coupe. On vous l'assure, Césaire était comme un bon vent. Alors après l'histoire des partitions, il y a aussi le texte « Allez les lions, allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute ». C'est un texte qui a été plusieurs fois repris par de nombreux autres chorales. Est-ce que c'est avec la fidélité que vous auriez souhaité ou bien une infidélité cachée? Bon, certaines personnes ont repris cette chanson avec fidélité. D'autres en y ajoutant leurs arrangements propres. Par exemple, les fanfares qui le jouent en pas redoublé, les fanfares ont reconcocté ce morceau à leur manière. Parfois même en retouchant mes harmonies. Bon, c'est pas un problème, c'est leur façon de voir la musique. La musique. Oh, oui. Mais le petit problème que j'ai avec la version de certaines fanfares, je ne voudrais pas les citer ici, c'est qu'elles ont cru bon de reprendre le premier couplet et le refrain. Mais dans ce premier couplet, elles ont travesti le texte. Parce que dans mon texte, je dis « Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées, qu'au berceau des ancêtres, vous ferez loger. » C'est-à-dire que les lions gagnent plusieurs trophées et que ces trophées viennent loger au Cameroun, qui est le berceau de nos ancêtres. Bon, maintenant, quand ils chantent, je les entends dire « Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées, au berceau des ancêtres, vous serez logés. » Je crois que ici, c'est un texte qui n'a pratiquement pas de sens. C'est un texte qui a été travesti. Pourtant, je suis ici à Yaoundé et je suis disponible. Si quelqu'un voudrait avoir des paroles, il peut me rencontrer et je les lui donne sans problème. Et parmi ces paroles, il y en a auxquelles on n'est pas très habitué. Vous avez du soutien, le peuple par la voix de son président, Paul Biya, vous redit un seul mot, continuez. C'est une dédicace aussi. Et pourtant, c'est le couplet le plus apprécié. Le plus apprécié. Parce que là, c'est un couplet qui a été refait après, lorsque le président avait prononcé ce discours, nous avons retenu cette phrase qu'on a introduite dans cette chanson avant qu'elle ne soit publiée. Donc, on a revu le texte après la composition de 84. On l'a revu maintenant pour introduire cette partie qui va à merveille avec la suite du texte. Un discours qui encourage, soyez disciplinés avec tout le fair play, imposez le respect et quand vous passerez, qu'on se teste devant les lions du Cameroun. C'est signé Arcangelo Junior. Qui se cache derrière Arcangelo Junior? Arcangelo Junior est un monsieur, monsieur comme tous les autres accordionnistes, et qui est le fils de l'autre accordionniste, Philippe Nkognate. Je suis enseignant, je suis marié et père de plusieurs enfants, de plusieurs musiciens également. Et je suis enseignant, j'ai enseigné, enseignant de français, professeur de français. J'ai été responsable dans certains établissements secondaires dans la place. Et récemment, j'étais au ministère des enseignements secondaires en qualité d'inspecteur national des arts, spécialement chargé de la musique. Et récemment également, et en fin de l'année dernière, 2018, le ministère m'a admis à faire valoir mes droits à la retraite. Une retraite que vous passez très paisiblement avec votre meilleur compagnon de oui, vie maintenant. Une retraite que je passe à cheval entre Yaoundé, Monoko, Nkuma Diop, avec mon accordéon et une retraite qui me donne maintenant suffisamment du temps pour écrire des chansons, surtout pour l'Église, les chansons chrétiennes. Oui, je suis un responsable des groupes de chorale à la paroisse EPC Djungolo,
Ma chorale, c'est la chorale Angels Voices. C'est d'ailleurs avec des éléments de cette chorale que nous avons chanté cet hymne au lion. Spécial clin d'œil à cette chorale, la voix des anges, conduite par un archange, Arcangelo. J'enchaîne ça ainsi. Alors, je voudrais, pour sortir, vous poser une question. C'est aussi, votre succès est aussi le fruit d'un héritage que vous devez beaucoup à papa, qui vous rendait un grand papa, hommage. À papa, à maman, parce que... Arcangelo de Monaco et Marie Arcangelo de Monaco. Marie Arcangelo, qui nous ont précédés dans l'au-delà, et qui m'ont inculqué très tôt l'amour de la musique. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ce n'est que dans cette voie que je devais évoluer. Et vous avez trouvé finalement votre voix musicalement bien sentie et qui rassemble les Camerounais avec toute une ferveur patriotique. On voudrait vous retrouver dans ce qui va suivre, peut-être pour la fin. Je vais vous prier de chanter, ce n'était peut-être pas prévu, mais on aurait aimé le faire en chœur. Mais faites-le en solo, oui, on vous suivra. Je vais le faire. Donc, je vais donc faire cet a cappella. Je prends d'abord la tonalité parce qu'il faut faire les choses dans la note. Allez, allez, les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez vos griffes, défendez vos couleurs, rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées. Qu'au berceau des ancêtres vous ferez loger. Allez, 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 les lions. Bravo, soyez toujours champions. Vous atteindrez les plus hauts sommets. Faites-y flotter le drapeau camerounais. On peut applaudir. Merci. C'était dit avec des paroles, merci du fond du cœur. Merci pour ces paroles que nous partageons du fond du cœur, Arcangelo Junior. Et pour cela, on garde tous le cœur vert, rouge et jaune. À très bientôt sur CRTV News.